Bienvenue sur votre chaîne Ivoire TV 5. La chaîne au cœur de l'information africaine. Abonnez-vous, et activez la cloche de notification, pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. L'actrice ivoirienne Bleu Brigitte, a été victime d'une crise ce 9 décembre 2021, au bord de sa voiture. Plus de peur, que de mal. Brigitte Bleu, la sympathique productrice et actrice ivoirienne, serait alitée depuis quelques heures dans une clinique abidjanaise. La comédienne interprète de la célèbre série Un homme pour deux sœurs, dans laquelle elle rivale avec sa sœur, Feu Marie-Louise Asseur, aurait piqué une crise au volant de sa voiture au niveau du carrefour La Vie à Cocody. À Poutchou National qui rendu hommage récemment à sa mère, la présentant comme une femme qui n'a jamais abandonné ses rêves, a réagi sur ses réseaux sociaux à propos des photos du malaise de sa mère. « S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, retirez les photos de ma mère sur vos pages. S'il vous plaît, respectez son image s'il vous plaît », a-t-il interpellé, avant de lui souhaiter longue vie. « Maman je t'aime, on n'a que Dieu, longue vie à toi ». Très proche de sa génitrice, le web activiste devenu chanteur, a reconnu récemment les conditions de vie difficiles dans lesquelles elle a évolué avant d'éclore aujourd'hui, dans le 7e art. La vie de ma mère Brigitte Bleu, n'a pas été facile. Maman a été vidée pour loyer impayé. Nous nous sommes réfugiés à l'église. Elle n'a jamais abandonné ses rêves. Ma mère Bleu Brigitte m'a eu à l'âge de 18 ans. Donc très jeune, malgré la pression familiale, maman a tenu à me mettre au monde. La vie de ma mère n'a pas été du tout facile. Maman était confrontée à certaines difficultés mais elle n'a jamais voulu baisser les bras, confia-t-il.